me vends les maisons de Tchoté. C'est pas toi qui as payé. Tu vends les maisons des enfants par rapport à quoi? Pourquoi les enfants sont dans les mains des assistants sociaux? Tu vends ça, c'est par rapport à quoi? Depuis quand on vend maison? C'est la première fois de ma vie que je vois qu'on vend maison. Maison, on vend pas. Soit tu vends pour acheter autre maison. Mais on est dans une affaire où on est en train de tout vendre. Pourquoi? C'est par les conçus où? Je sais pas. Je sais pas. On voit là, c'est par rapport à quoi? Les enfants sont mineurs. Quand ils vont grandir, ils vont demander où sont les biens de... Famille sortez. Affaire de la femme de notre feu légende Tioté. Qu'on a tous vu sa femme chasser ses parents dans la maison, le général Camille Makosso sort du silence et reprend le dossier en main. Avec les preuves à l'appui. Et je décide de vendre toutes ces maisons. Et que sa famille, je décide de les mettre dehors. Si les Gabonais m'ont pas frappé, c'est pas Gabonais. Si les Maliens m'ont pas frappé, parce qu'il y a ce qu'on appelle le sens patriotique. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut assister. Quelqu'un va venir chez nous, prendre notre frais, ramasser tous ces milliards, et puis on peut mettre dehors. Je n'aime pas ça. Voilà. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens de ne pas rentrer dans les histoires de nationalité. Voilà, mon reste patriote. Ça, c'est clair. L'Ivoirien d'avant, celui qui ont peut faire les choses à cette limite. Maintenant, là, on est solidaires. Makosso, il allait chier quelque part. Quand je viens, mes parents, ils voyaient me frapper jusqu'à... Mais quand il finit, Makosso, vous-même là, est-ce que c'est faux? Qui est le plus ennuyé parmi tous les influenceurs que vous connaissez? C'est moi, Makosso. Qui est celui qui énerve? C'est Makosso. Mais souvent, on l'attend dans un combat, mais il va ailleurs. Il va toujours soutenir l'opposant. Moi, maintenant, j'ai dit, même s'il y voyait un tort, il a raison. Même s'il doit parler à mes frères, je saurais comment les parler. Plus jamais, il a enlevé mon maillot, pour aller me battre pour des personnes qui ne vont pas respecter mon pays. Jamais! Jamais! Parce que ce que la Côte d'Ivoire me donne, aucun pays au monde ne pourra me donner ça. Jamais! Voilà, jamais! Aïe! Jamais! Là où je suis assis là, c'est mon pays. C'est mon pays. Oui, c'est mon pays. C'est de ça qu'il s'agit. Mettez-moi le cœur. J'aime tout le monde. J'aime tous les pays. Mais chers amis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce qu'il me dit. Il ne faut jamais accepter. J'ai des choses à dire ce soir. Mais je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages. Tapotez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Le nom du palais, c'est le palais de justice de Plateau. Mettez les cœurs partagés le live. Mettez-moi les cœurs partagés le live. J'ai dit, tant qu'on n'atteint pas les 5000, je ne peux pas parler. M'aide. Mettez les cœurs. Oh my God. Aïe, on dit là, en moins d'une heure, on a récolté plus de 2 millions pour donner à la famille. Moi, mais je n'ai même pas donné Moro. C'est-à-dire, les donateurs sont venus de partout. Ils ont commencé à mener les oranges, les PayPal. C'est ça qu'on appelle la solidarité, le pouvoir des réseaux sociaux. Et soit le mardi, soit le mercredi, on a fait des paroles avec Yaka Yaka et Aya Robert, on va faire le grand live. On va appeler ça le grand live où tous les influenceurs les plus capés. Ah, Pouchou Pacha, tu es où? Ah, Pouchou, tu es où? Parce que la seule personne actuellement qui ne sait pas prononcer, c'est Apouchou. Faut pas, ils vont t'appeler pour dire Apouchou, pardon, viens te défendre. Là où on est engagé, là. Faut pas aller là-bas. Faut pas quelqu'un. Bah, si Bob Lee était vivant, Bob Lee allait toujours se mettre du mauvais côté de l'histoire. Là où on est engagé, là, on veut pas de traite. Celui qui sait que le combat qu'on engage, il n'est pas avec nous. Faut pas venir montrer que tu es contre nous. Parce qu'on va pas te louper. Lolo Beauté, actuellement, tu as grossi, tes fesses sont sorties, tu as fait, reste là où tu es. Cette affaire-là, celui qui a venu parler gauche, on va boire son âme. On va voyager avec son âme. Ça, je le dis. Hein? Parce qu'il y a toujours des influenceurs qu'on peut appeler. Alors, oui, champion, c'est comment? Ouais. Céline, ouais, c'est comment? Oui, Céline Kanda, oui. Bon, les Makosso là, bon, ils sont de l'autre camp, hein. Voilà, on a au moins 1 million pour toi. Voilà, voilà, venez. La famille n'est pas claire. Venez, les gars. Je vous casser les papos. Et comme les Ivoiriens, certains sont bipolaires, hein, il paraît qu'on dit que la famille n'est pas claire. Il paraît qu'on dit que la famille est mal. Eux, ils ont chassé toutes les femmes. Que tu te nous, on s'en fout. Ce que nous, on dit. Qui t'a demandé de vendre les maisons de Tchoté? C'est pas toi qui as payé. Tu vends les maisons des enfants par rapport à quoi? Pourquoi les enfants sont dans les mains des assistants sociaux? Tu vends ça, c'est par rapport à quoi? Depuis quand on vend maison? C'est la première fois de ma vie que je vois qu'on vend maison. Maison, on vend pas. Soit tu vends pour acheter autre maison. Mais on est dans une affaire où on est en train de tout vendre.
Pourquoi? Ce palais conçu où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va la séparer par quoi? Les enfants sont mineurs. Quand ils vont grandir, ils vont demander où sont les biens de nos pères? De notre père. Et puis, on va répondre quoi? Non, c'est-à-dire que, bon, votre maman a vendu, mais les gens nous ont dit, il ne faut pas en parler. Si on parle, ils vont nous amener en prison. Hé! La prison n'est pas faite pour des chiens, mais pour des hommes. Amenez-nous en prison. Amenez-nous en prison. Amenez-nous en prison. C'est papa Adomé qui a venu séparer ce Niagara. C'est papa Adomé. L'homme avec qui j'ai parlé aujourd'hui n'est pas n'importe qui dans ce pays. L'homme à qui j'ai parlé aujourd'hui n'est pas n'importe qui dans ce pays-là. S'il a dit à Sion, tu es béni. S'il a dit à Soin, tu es maudit. Oui, ton état s'est calmé. Chacun a son pied sur Kamou. Et puis on se regarde. Si ça a commencé, moi, je peux mettre dans la balance des choses que vous ne pouvez pas mettre. Aïe. Il y a des choses que je peux mettre dans la balance que vous ne pouvez pas mettre dans la balance. Ce n'est pas une affaire d'argent. C'est une affaire d'avenir. Nous, là, nous sommes les hommes d'avenir. Pourquoi? On a la parole, on a la foule, on a la tchèque, et puis on a l'intelligence. Quelqu'un qui peut faire cette rythmique, parler avec tant d'éloquence dans ce système magnétisme. Non, il faut respecter la personne, c'est Camille Makosso. Respectez-moi, s'il vous plaît. Respectez-moi. Imaginez Camille Makosso, candidat à l'élection présidentielle. Je suis sur un plateau avec mon rival, mais il est mort. On est en train de me dire qu'on veut m'amener le gars, le petit, comme il s'appelle, le chocolat des filles, pour faire un débat en Côte d'Ivoire. Mais il dit, mais le gars, vous ne l'aimez pas, vous voulez le crucifier. Mais on va aller pas à pas. Ne nous dispersons pas. Revenons dans le contexte. Chers Ivoiriens, en ma qualité du général, l'affaire qu'on nous a servi a beaucoup de faux. L'acte d'hérédité, qui est le document de justice qu'on donne à un veuf ou à une veuve pour gérer les biens des enfants, la date de mariage qui est dessus ne correspond pas à la date de mariage qu'on nous a mené. Donc, s'il y a deux extraits de mariage, c'est qu'il y a eu faux. Donc, il y a quelque chose. Quelqu'un doit aller en prison. S'il y a eu faux, quelqu'un doit aller en prison. Comme tu as tenu les gars au paradis, il ne peut pas revenir pour qu'on le juge. Voilà, c'est fini. Donc, qui va aller en prison? C'est la personne qui détient les faux papiers. Ah oui, c'est pour cela que ces gens d'affaires vont se taire. Il y a des affaires, on gère en Soumalélé. On gère dans l'âme de la marmaille. Il y a des hommes comme les Camille Makosso, on vient voir. Pour dire, le père, nous voici à genoux. Comment gérer cette affaire? Moi, je conçois le système de la marmaille. Bon, voilà. Tu as reçu combien? 2 milliards, non? La Chine t'avait donné combien? 2 milliards, d'accord. Bon, ma petite, 2 milliards, c'est beaucoup. Voilà. J'ai les enfants, mais au moins 1 milliard sur un compte séquestre. Ouais, les autres 1 milliard logement, c'est pour toi, mais les autres femmes qui ont eu des enfants, donne-le au moins un peu, hein, ouais, elles vont manger aussi. Maintenant, pour la famille, bon, pour ton honneur, il faut donner au moins 150 millions que tu donnes à la famille pour que la famille se partage. Est-ce que ça a été fait? Non. C'est tout ça. Il faut avoir un coach, il faut avoir un mentor, il faut avoir un père qui a la capacité de te donner des bons conseils. Prenez mon numéro WhatsApp, vous tous prenez mon numéro, vous tous prenez mon numéro. Les 500 personnes qui vont m'écrire, vous dites, général, je veux mon cadeau. Je vous offre gratuitement quelque chose. Principalement, même mon livre d'abord pour commencer. Ayez un père. Quand un millionnaire te donne son numéro, ferme ta bouche et puis prends le numéro. On ne sait jamais. Prenez le numéro. 00337. Prenez mon numéro. 00337. 44. 17. 67. 09. Arrête de parler, ferme tes testicules et puis va sur le live. Viens chasser la pauvreté de ta petite vie de merde. Prenez le numéro 00337 44 17 67 09. Elle est là, elle est connectée. On dit Makosso en live, tout le monde vient le suivre. Le seul problème, c'est que Makosso n'est pas ces gens de petits influenceurs qu'on peut venir influencer avec un policier ou un gendarme ou une convocation. Ça ne prend pas. Moi, c'est un ancien prisonnier. Makara, c'est chez moi. Je peux me voyager pendant pour aller au moins 2 mois, 3 mois, et puis il ressort. Quand il ressort, quoi, il y a Jamana derrière moi encore. Aïe, moi, je ne recule pas. Hein. Quand il m'engage dans un combat, je ne recule pas. Jamais. Parce qu'il sait que ce que je défends, c'est la vérité. Et je ne peux pas supporter le mensonge. Je ne peux pas supporter une affaire où il y a des enfants qui ont un avenir. Et puis, on est en train de vendre leur billet. On vend, c'est par rapport à quoi? Tous nos parents nous ont dit, on ne vend pas maison. Parce que chaque année, la maison prend de la valeur. Hey, je suis sûr qu'il y a des petits poclés qui sont en train de conseiller notre soeur.
des porcs, des filles qui ont mougou. Il dit qu'il n'y a même plus d'empreinte sur leur pétou. On les a lapés jusqu'à. J'ai dit tout empreinte est fini. Les patins du pétou sont finis. Tous les crampons ont disparu du pétou. C'est elle qui a venu te donner conseil. Faut vendre, c'est pour toi. C'est toi qui es la femme. C'est toi la veuve. C'est toi qui es chef. Et d'accord, il y a vendre. Porclé. Porclé. Toi, tu te fais conseiller par des porclés. C'est les porclés d'ailleurs qui te conseillent. Mais qu'est-ce qui arrive à nos femmes? Mais qu'est-ce qui les arrive? Diable! Écrivez-moi. Tous ceux qui sont de la Côte d'Ivoire, celui qui va prendre l'équipe dit, général, je veux mon cadeau, tu es le maudit de ta famille. Parce que ce livre-là, il coûte 10 000. Je vais le donner gratuitement aux 3 000 personnes qui sont connectées. S'il vous plaît, écrivez-moi. 00337 44 17 67 09. Vous qui êtes au Cameroun, vous qui êtes au Togo, vous qui êtes en Belgique, écrivez-moi. Dis général, je veux mon cadeau. Vous êtes en Europe, tu dis cette année je vais réussir. Faut écrire, dis général, je veux mon cadeau. Je t'amène le livre et je t'amène la prière. C'est de ça qu'il s'agit. Prenez le numéro 1. Ce numéro l'a sauvé des vies. Comment on peut vendre une maison? Je suis assis, je ne comprends pas. Il n'y a que Edwige de Milan seul qui est en train de vouloir nous convaincre que la famille là, ils sont au conflit avec un mec défend jusqu'à voir que ça ne prend pas. C'est comment il voulait défendre qui nous forme. Il y a un dossier, il voulait défendre. Je suis monté. J'ai parlé jusqu'à moi, mais c'est que là où je m'en vais là. La maman, il ne peut pas prendre. Je suis descendu. Souhait. Il y a des dossiers là. Toi-même, tu laisses ça comme ça. Souhait. Puis tu dis, mon frère, j'ai voulu t'aider. Mais le caca sent trop. Si je veux trop t'aider, le caca est capable de tomber sur moi. Là, là, je ne peux pas. J'enlève mon pied dedans. C'est ce genre de dossier là. C'est-à-dire, le caca est tellement fort que toi-même, si tu t'impliques, ça t'épargne. Faut quitter. Faut laisser. Laisse ça. Et puis, faut laisser. Sinon, affaire à te laisser, hein. Famille comme un dehors. Sans décision de justice. Sans accompagnement de la police. C'est grave. Je redonne le numéro pour la dernière fois. Le 00337 44 17 67 09. Prenez rapidement le numéro. Ah, je t'ai invité mon tonton. C'est mon tonton. Mais non, le tonton à Nérou. Salut, ça va? Ah, Nérou, ça va? Ça va, ça va et toi? Ça va bien. Tu as une belle casquette, hein? Et toi, on voit pas la moitié de ton crâne, mais il a l'air beau aussi. Et il fait chier ce petit-là, enfoiré, là. Il vient m'humilier devant mes abonnés, un salopard, il vient m'humilier. Je reconnais que je suis chauve, à force de réfléchir, de chercher de l'argent. Ma calvitie est venue me respecter le vieillard. J'ai 45 ans, mon petit. Après me respecter, tu vas m'humilier devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui t'arrive, merde, à la fin? Mais j'ai 45 ans, mais putain, ça pourrait être de merde. À peine à respecter ma calvitie. Mais tu vas venir fou à crier comme ça, faut arrêter. Ça, non, calme-toi. C'est pour ça que t'as plus de cheveux. Et il continue. Et il continue de me. Bon, attends, je te réponds en paix. Non, oui, oui, oui. Mais laissez ma calvitie en paix, merde. Donc, les gars, je vais vous dire une chose. Ce combat dans lequel on s'est engagé, là, je vous pose une question ici. On recule ou on ne recule pas? Répondez-moi. La Côte d'Ivoire d'abord, hein. On recule ou bien on ne recule pas? Répondez-moi, Ivoirien. Mettez les cœurs tapotés. Ils sont en train de signaler le direct. TikTok vient de m'amener un signalement. Merci à toi. Tous ceux qui envoient les cadeaux, que Dieu vous bénisse. Avant la fin de ce live-là, je veux au moins trois personnes qui vont m'amener des lions. Prix général, mais toi. Mettez les cœurs. Tapotez. TikTok vient de me montrer qu'on a signalé mon compte. On vient de signaler le live. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. On vient de signaler le live. S'il vous plaît, envoyez les fleurs. Envoyez les fleurs. Envoyez les fleurs. On ne recule pas. Merci beaucoup. Les gars, on ne recule pas. Je ne porte pas mon garde général pour m'amuser. Hein. Je suis général. Hein. La guerre, c'est mon travail. Je n'ai jamais perdu un combat. Et dans ce dossier, même s'il y avait des conflits internes entre les familles, il y a des choses qu'on ne fait pas. Dans l'art de la tradition africaine, dans l'art des valeurs panafricaines, il y a des choses qu'on ne fait pas. La belle famille, elle est sacrée. On me dit, oh, Marcoso, toi, on a vu ici, entre ta belle famille, toi, je dis, tu donnes conseil. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Hein. Moi, on a voulu m'accuser d'avoir tué ma femme. Et puis, on allait porter plainte contre moi, ma belle-mère. Donc, de laisser de m'asseoir, on venait m'égorger. Moi, on veut me jack pour que mes enfants soient encore doux orphelins, qui n'aient plus à manger. Moi, de m'asseoir, me tuer. Je me défends. Et j'ai dit, si je n'ai rien à voir,
que la mort emporte ceux qui m'accusent. Si j'ai quelque chose à voir, que la mort m'emporte. Quatre personnes sont mortes de l'autre camp. Donc, tout le monde a vu que Marcos a son affaire là. Il y a Dieu dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète le numéro pour la dernière fois, s'il vous plaît. Pour la dernière fois. 00337. Tous ceux qui vont m'écrire, je me mets à genoux devant Dieu. Seigneur, ce soir, je sais que je suis un pécheur. Je sais. Moi, je sais, Seigneur. Je n'ai pas besoin de dire, moi, je pèche. Pendant que je parle, je déclare que tous ceux qui sont sans travail, le travail les localise. Je prie maintenant, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, que ceux qui ont des projets de voyage, la gloire des voyages les localise dans le nom puissant de Jésus. Père, voici mon téléphone, Seigneur. Tous ceux qui vont envoyer le message, je veux mon cadeau, papa. Dès avant même que je ne réponde, envoie-leur un cadeau céleste qui est ta bénédiction et ta gloire au nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, s'il vous plaît, prenez mon numéro maintenant. Pour la dernière fois, je le donne. C'est le 00337 44 17. Active ta caméra maintenant. Ok, ça passe. Ok, voilà, assieds-toi bien. Vous pouvez vous asseoir bien. Parce que, pardon, il ne faut pas nous montrer les lolos au glacé. Est-ce qu'on peut voir ton pardon? Il faut bien tirer à Bila. Il faut bien tirer à Bila. Voilà, il faut bien tirer à Bila. Si tu vois que ça descend, il faut attacher les trucs là. On peut voir ton avenir? Mais avenir là, mais on ne voit pas bien. Ma chérie, pardon, viens, c'est bon. Ça, ça venait 5 giga bancal. Viens ici. Bon, mais il n'a rien vu. C'est bon, il faudrait qu'on lui donne une note. Ok, présente-toi. Je m'appelle Honorine. Je suis à Côte d'Ivoire, je suis à Abidjan. Il y a une enfant. Ma chérie, on ne te voit pas bien. Il faut bien placer la caméra sur toi. On ne te voit pas bien. Faut bien t'asseoir, voilà, faut bien placer la caméra. Et comment tu appelles? Place la caméra. Ok, vous avez quel âge? 25 ans, un enfant, vous vivez en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui. Ok. Donc, tu cherches un homme de quel âge à quel âge? 40. Toi, t'es 25 ans, toi, 40, tu sautes à 20 ans 40. C'est toi, tu n'aimes pas les jeunes. Faut commencer 35 ans. Tu as 25 ans. Faut commencer 35 ans. Faut commencer de 30 ans jusqu'à 50 ans. Mais tu sautes en même temps 40-50 ans. Oui, c'est ça, et ton frère, quoi,